Bienvenue au mercredi de l'esprit. Bienvenue à tous. Bienvenue mes amis ici, mes amis là-bas, mes amis ici, mes amis partout. Bienvenue à l'amitié. On vient juste d'écouter, pour ceux qui arrivent sur YouTube, là on vient juste d'écouter. Comme ça va vous donner envie de venir en live, parce que c'est mieux en live. On vient d'écouter Come to the Circle, quelle belle chanson. Paris vous embrasse. Si on y allait à cette vitesse, on va mettre pas mal de temps, je pense, aujourd'hui. Mais c'est très très plein comme silence. N'a plus besoin de mettre des mots dessus, quoique. On est en train de se tenir les mains maintenant. On est en train de se rappeler ce que nous voulons par-dessus tout. Les mots, on va bientôt ne plus en avoir besoin, c'est-à-dire que bientôt je vais être au chômage, quoi. Donc je mets le paquet, hein, avant qu'on soit au chômage. Mais je mets le paquet sur des mots qui pointent sur un ressenti profond, lequel, le vrai désir du cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment? Me connaître moi-même, en tant que ce que je suis vraiment. Et vous aussi, bien évidemment. C'est au nom de ça que je donne la lecture qui va suivre. J'ai envie de lire les quelques paragraphes qu'on a fait la semaine dernière sur ce magnifique message qui s'appelle Calme, acceptation et confiance. Juste une petite parenthèse, quand je donne au Saint-Esprit ou à l'enseignant l'enseignement d'aujourd'hui, je ne donne pas quelque chose ou à quelqu'un de séparé, je ne donne pas une haute instance en dehors de moi qui me gracierait de son intelligence. C'est pas ça que je fais. Quand j'offre au Saint-Esprit la lecture qui suit, je l'offre au vrai désir de mon cœur de me rappeler que je suis le Saint-Esprit. Pause. Il n'y a pas de séparation entre nous. Les séparations sont conceptuelles. C'est pour ça qu'on parle des mots et on les écarte ensemble, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en écartant un mot, on peut le mettre à la poubelle, mais on peut également, moi j'aime bien l'idée d'écarter les mots pour écarter notre définition avec, avoir des définitions plus larges, comme ça ces largeurs de définition, elles sont toutes étriquées ici comme ça, et on va les faire descendre de plus en plus large, et elles descendent dans le cœur et elles s'adaptent véritablement à toute mon expérience. Pour que mon expérience global, soit l'expression de ma définition. Voilà, je pense, une façon chouette de définir ce chemin. C'est pas le seul chemin du tout. Mais c'est le chemin du sens, le chemin qui me touche. On passe par différentes étapes, par du tout, rien n'a de sens, le sens c'est moi qui l'ai donné. Et finalement, je peux commencer à jouer avec le sens et comprendre que mon expérience, qui intrinsèquement n'a pas de sens, est l'expression du sens que je lui donnais. Et en élargissant ce sens, mon expérience s'élargit aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, mon expérience s'élargit? Je n'ai pas spécialement un corps qui grossit. J'ai un temps qui se ralentit. J'ai plus besoin d'être au contrôle ici avec un monde là-bas. J'élargis la définition de l'être, de la conscience, de la confiance, de la pause, de l'acceptation. Je rebascule dans les qualités qui sont les peintures que je peins. Je peins des qualités et après toute mon expérience va dépeindre justement ces qualités que j'ai choisies.
On se réassoit tranquillement mais en force, avec détermination, dans le siège du Créateur. On se rappelle des phrases suivantes. Tout se trouve dans l'esprit, donc tout est en moi. Tout est créé par toi et pour toi. Ce que tu vois n'est rien d'autre que des idées. Et ces idées sont un mélange de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Toutes ces idées viennent en expérience, et c'est ainsi que tu dois les expérimenter. T'apprécier, c'est accepter l'expérience. Y résister, c'est te couper de toi-même. C'est au dos des enseignements de l'esprit. C'est en épinglé dans le groupe Facebook, les enseignements de l'esprit. Et c'est véritablement le résumé sur lequel on revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'on accepte, apprécie de plus en plus cette position qui paraît abstraite ou qui paraît difficile, de totale responsabilité, et finalement, c'est véritablement l'expérience ou la position la plus facile, parce que c'est la plus naturelle. Nous ne sommes pas des petites choses. Saint-Esprit, mon enseignant, puisse à travers le message et la lecture d'aujourd'hui, puissions-nous tous voir ce qu'on a le plus besoin de voir, comprendre ce qu'on a le plus besoin de comprendre, lâcher ce qui nous est facile et ce qu'on a le plus besoin de lâcher, réaliser ce qu'on peut tous réaliser, dans le but et l'objectif qui est, qui sponsorise et qui est cette réunion. Amen. Calme, acceptation, confiance. Je relis ce qu'on a fait la semaine dernière. Aie confiance. Non, je ne vais pas commencer là. La confiance est toujours la clé. S'accrocher à la confiance, c'est tout. Parce que la confiance, c'est la manifestation de la connaissance de ton amour. Combiné à la conscience que l'amour reconnu comme amour est l'évidence de ce qui est réellement vrai. Il n'y a rien à craindre dans le monde. Il n'y a rien à craindre du tout dans le monde. Mais quand tu choisis l'idée de la peur, tu choisis aussi les effets ou l'expérience de la peur. L'intensité de l'expérience est directement liée à l'intensité de ton choix. Plus ton choix d'avoir peur est fort, plus ton expérience sera forte. Plus tu persistes dans ton choix de la peur, plus ton expérience sera persistante. Mais si tu permets à ce choix de la peur de s'estomper en choisissant la confiance de façon forte et persistante, eh bien, une autre expérience en découlera. Et l'intensité et la persistance des miracles qui proviendront de ton choix vont t'émerveiller. Les petits flashs de la semaine dernière qui arrivent avec les connaissances qui viennent avec, superbe. Ce sont juste des, comme on l'avait vu très très souvent à Annecy sur ces 4-5 jours de séminaire, se rappeler de ce qu'on veut vraiment, se tenir la main ensemble, ce sont juste des clés pour faire revenir les fruits des arbres que nous sommes, c'est-à-dire amour et connaissance. Nous sommes pur être, pure existence. Pause. Vous voyez l'envie de rajouter des choses? Laissez-la passer. Pur être. Avant même de dire être, donc l'être qui n'a même pas besoin d'être. Avant tous les mots, avant tout rajout, ici tout de suite, maintenant, avant toute chose, je suis avant même d'avoir besoin de dire je suis. L'intensité de mon choix de ne rien rajouter maintenant, c'est-à-dire de faire une pause, donc d'avoir confiance, donc d'accepter tout ce qui se passe, est ma déclaration d'amour et connaissance. Et mon expérience va refléter de plus en plus les vibrations d'amour et de connaissance qui sont ce que je viens de demander en faisant pause, en faisant acceptation et en faisant confiance. Le message d'aujourd'hui s'appelle Pâques. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je l'ai mis dans les fichiers partagés pour ceux qui n'ont pas le livre, qui sont sur la salle. Pour ceux qui sont sur YouTube, ce n'est pas encore le cas. Peut-être qu'il y aura un moyen de faire ça. Je ne sais pas, on va voir. L'intensité de la persistance des miracles qui proviendront de ton choix vont t'émerveiller ainsi. Tu tomberas de plus en plus amoureux de tout comme étant moi, ce qui est ta vérité. Ok ? Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de séparation entre le Saint-Esprit et moi, le Saint-Esprit me dit qu'il est ma vérité.
Donc à un certain moment, il va falloir arrêter de se la jouer, genre ma vérité est séparée de moi, puisque c'est ma vérité. Petite distinction, c'est la vérité de ma réalité. Ma réalité, c'est que je suis un, ou que je suis, et même bien avant cela. La vérité à ce sujet, c'est que mon Saint-Esprit, c'est moi. Laissez la petite graine de distinction assez subtile entre vérité et réalité. Vérité plutôt l'injonction que celle de la réalité réelle. Laissez la descendre. Comment est-ce que je comprends un message? Par ma décision de ne rien rajouter. Appelée également pause. Quand je fais pause, je suis en accueil de ce qui se passe, je me suis également en confiance ou en certitude. Le C de confiance peut s'appeler certitude aussi, du pack. Je suis également en certitude que je sais déjà tout ce dont il est question. Et je suis en certitude ou en confiance par la pause que tout va m'être délivré dans ce déroulement, dans ce déroulé du temps, de ce qui est déjà là. Tu aimes l'idée de l'amour et tu aimes aussi la connaissance du bonheur. C'est parfait. Quand tu es attiré par l'amour et la connaissance de ton propre bonheur, tu persistes davantage dans le choix que tu en fais. Et puisque l'expérience provient toujours du choix, tu seras très satisfait par les expériences qui proviennent de la conscience de ton choix constant de ce que tu veux vraiment. On l'a vu la semaine dernière, par la réalisation de ton choix constant de ce que tu veux vraiment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de... Nous ne sommes pas maîtres. Du moins, pas encore. Des détails de nos expériences. Quand je parle des détails, je parle de l'aspect spécifique de nos expériences, bien que la maîtrise soit totale. Okay. Mais on nous apprend par là qu'on est maître, et c'est déjà même calculable, qu'on est maître de nos choix de qualité, de nos choix d'idées et de qualité. Que nous demandons. Nous sommes déjà maîtres de désir, puisque nous sommes conscients. Parce que la conscience est le désir éveillé. Lequel? De se connaître soi. C'est le but même de la conscience. Je fais une petite parenthèse, j'ai mis une conversation que j'ai eue sur SoundCloud, là, je l'ai mise tout à l'heure sur Facebook. Et si vous avancez dans la conversation, toute cette conversation avance ou s'approfondit pour arriver à un point d'aperception que la conscience est devant moi. Et donc que je précède même la conscience. La conscience étant là pour me connaître moi-même. Pour me donner, me faire faire une expérience, mais l'expérience n'est rien d'autre que le tissu de connaissance de soi. En tant que, n'est-ce pas? C'est juste le monde de l'expérience. Puisque l'expérience provient toujours du choix, tu seras très satisfait par les expériences qui proviennent de la conscience de ton choix constant, de ce que tu veux vraiment. On commence maintenant. Alors là, c'est une petite... C'est ce qui se passait dans l'esprit, dans l'expérience de la scribe de Regina. Suite à ces trois premiers paragraphes, elle a dû avoir deux, trois pensées rapides qui sont arrivées et qui ont fait descendre son énergie, sa vibration. Il y a il y a des petites clés partout. Ça lui a fait descendre sa vibration. Cette descente de vibration, quand on dit mes vibrations sont descendues, elles sont descendues pour le monde entier. Parce que je suis le monde entier. Et donc, ce que je vais percevoir comme étant moins bien que tout à l'heure n'est rien d'autre que ce que j'ai demandé à percevoir. Vous comprenez comment ça se passe? Mon effet n'est pas uniquement sur comment mes intestins ou ma poitrine se sent, mais sur toute ma perception. Parce que je suis maître de perception. Je suis créateur de perception. Et là, on en a un exemple.
L'énergie de mon message te paraît plus basse maintenant parce que tu as choisi une énergie plus basse en te rappelant des moments où ce choix était difficile. Ok, ben vous, on a tous et toutes de plus en plus des expériences de scribe, des expériences où les vibrations de connaissances les plus profondes ou les plus hautes commencent à descendre ou commencent à s'actualiser dans notre expérience. Je vois de plus en plus de gens qui partagent par écrit ou au téléphone ou quand je les vois de visu vraiment des flots de clarté. Bien évidemment, c'est pas réservé à quelqu'un, à un scribe ou quoi que ce soit. Nous sommes tous canal, n'est-ce pas ? Nous sommes tous canaux de connaissances. Mais même quand mon canal de connaissance est ouvert ou est syntonisé à la fréquence de radio ego, c'est-à-dire sur un filtre de séparation, ça reste la connaissance qui jaillit. Je suis l'abondance. Hein? Je suis l'abondance de la lumière d'amour connaissance qui passe à travers le filtre de mon choix. L'oubli étant également un filtre de mon choix. Quand tout cela est vu, quand on se retrouve tous les mercredis, quand on fait son chemin spirituel, que ce soit ici ou autre part, ou qu'on veut bien s'asseoir dans la clé de ce message-là, c'est non seulement d'accepter, mais d'accepter en sachant que ça vient de toi. C'est ça la clé de cet enseignement. Accepte, fais tout ce que te disent les autres chemins spirituels, mais rajoute la graine que tout vient de toi, et tu la laisses faire. Donc, quand on fait ça, on nettoie de plus en plus les filtres, ou on change de filtre, comme il nous l'a appris dans les messages précédents. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la distance qu'il y a entre les couches supérieures d'amour et de connaissance et moi, s'amoindrisse. Je fais encore comme ça, parce que c'est plus facile de faire comme ça que de faire comme ça. Mais c'est là que ça se passe, comme sur le schéma des regards, c'est là-dedans que ça se passe. Mon filtre se nettoie de plus en plus, mes définitions s'élargissent. Les clartés arrivent de plus en plus, comme si elles étaient moi, jusqu'à ce que je vois que moi, canal confiant et conscient, mais mu par un seul vrai et unique désir, celui de me connaître tel que Dieu m'a créé et tel que je suis maintenant, je deviens canal absolument des choses les plus claires, les plus belles, des messages les plus beaux, etc. Il y a toujours des pincettes à prendre dans les évaluations parce que on peut dire que le message le plus parfait est le silence le plus joyeux. Parce que le silence le plus joyeux ou la pause la plus joyeuse est la connaissance la plus pure. Donc, dès qu'on met un mot, ça n'est plus la vérité. La vérité n'est pas manifestée. La manifestation ou l'expression d'une qualité peut être de plus en plus proche, si vous voulez, peut refléter, c'est plutôt proche. C'est très complexe quand on arrive dans ces mystères. Peut refléter de plus en plus la qualité de l'être qui est pur amour, connaissance parfaite. Jamais né et jamais créé, pour toujours et à jamais. Ok. Selon là où j'ouvre mon cœur, regard, ainsi que toutes mes définitions, j'aurai affaire justement à un flux de connaissances et à un flux d'amour qui va refléter de plus en plus mon degré d'ouverture, mon degré d'abandon de l'expérience que je ne veux pas, mon degré de responsabilité, mon degré de désir en fait, hein, je ne veux rien d'autre que ce que je veux véritablement. La mesure de ce rien d'autre se définira dans la qualité de mes retournements en fait. Bref, pourquoi je disais tout ça ? Oui, parce que j'étais touché par de plus en plus de clarté qui venait de tout le monde, des messages du Saint-Esprit. Alors, même si nous ne sommes pas scribes de métier, oui, c'était aussi mon désir de ne pas faire de différence, de ne pas mettre Regina ou Laurent sur un piédestal quelconque, parce que c'est hors sujet, complètement hors sujet. On est tous un, on s'éveille tous à la même réalité. Il n'y en a pas un plus qu'un autre. C'est très important de savoir ça. Ça n'enlève pas les différences dans les degrés d'ouverture après, les degrés d'abandon, les bonnes volontés de se mettre de côté. Ça, c'est une expérience magnifique et sans fin, de laisser de plus en plus Dieu passer. Ok. Donc, pourquoi tout ça ? Oui, parce que l'énergie de mon message, nous dit le Saint-Esprit, te paraît plus basse maintenant parce que tu as choisi une énergie plus basse, en te rappelant des moments où ce choix était difficile. C'est-à-dire qu'il vient de nous mettre un tel paquet sur la puissance de mon choix. Il n'y a que choix partout, là. Choix, choix, choix. Choix d'avoir peur, choix de faire confiance,
insistance sur le choix, sur l'intensité du choix d'avoir peur, qui sera l'intensité de mon expérience de peur. L'intensité, la persistance du choix de faire confiance sera la persistance, la solidité de mon expérience de miracle. C'est-à-dire, choix à mort, quoi. À mort de victime, si vous voulez. Hein. C'est, il y va à fond dans le choix, quoi. Donc, super, super, super. Et bien évidemment, à un certain moment, il va y avoir un peu de résistance à cela, puisque nous vivons, si vous voulez, l'antithèse de ce qui est en train d'être proposé là, par les plus profonds de notre corps et de notre cœur. On en vit l'antithèse, c'est-à-dire victime, je ne choisis rien. Donc on accepte, puis à un moment, hop, il y a des petites pensées de résistance qui font que dès qu'une pensée de résistance, ah oui. Vous savez, on s'ouvre à une lumière immense. Vous l'avez remarqué, quoi, c'est incompréhensible tellement c'est hors du commun. Quand je parle de lumière, entendez-moi, je parle d'ancrage et de largeur d'ancrage par ces messages. C'est la largeur de l'ancrage. La largeur de l'ancrage, c'est plein, 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 plein d'amour et de connaissances. Plein. Et mon expérience tout entière, empathie, puisqu'il n'y a plus de séparation entre mon choix et mon expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le petit grain de sable qui arrive dans une grande largeur va prendre la puissance de cette largeur. C'est pour ça que c'est mon expérience. Mais c'est pour ça que les yo-yo peuvent être assez intenses de temps en temps. Ils vont durer moins longtemps qu'avant, mais ils peuvent être assez intenses. Grande lumière, après il y a un grain de sable qui arrive de je ne sais où et blah, ça se retourne et on est mal et tout, et on revient, on remonte. Donc beaucoup de douceur et d'indulgence pour chacun d'entre nous sur ce chemin. Mais on peut retourner la situation en comprenant que on s'ouvre à une telle antithèse de celle dans laquelle nous semblions vivre avant, ou celle plutôt par laquelle nous semblions vivre avant, que de l'indulgence est vraiment la bienvenue. Et la toute petite résistance qui arrive sur un gros moteur de truc, elle va faire beaucoup plus de bruit, ça va coincer beaucoup plus que si on est sur une petite barquette sur le bord de l'eau et qu'il y a une petite et qu'il y a un petit obstacle sur le lac, vous voyez, sur le lac paisible. Mais s'il y a un obstacle sur le même lac et on est en offshore à 200 à l'heure, on va pas le sentir pareil. Ok. L'énergie de mon message te paraît plus basse. Ok. C'est-à-dire que quand je ne suis pas très très bien, mais tout ce que raconte le Saint-Esprit va commencer à être teinté, parce que ce que raconte le Saint-Esprit, ça fait partie de la manifestation, c'est ça qu'il est en train de nous dire aussi. Son message n'est pas la vérité, il fait partie de la manifestation et il vient d'un degré de bonne volonté qui est beaucoup plus énorme. Donc si je mets de la résistance à ça, même son message va paraître plus bas. Mais il lui dit, mon message n'est pas bas, okay, il te paraît plus bas parce que tu as choisi une énergie plus basse. Comment est-ce que je choisis une vibration, une énergie plus basse ? En te rappelant des moments où ce choix était difficile. Quel choix ? Le choix consistant de choisir la confiance. Petite mémoire, ah, j'y arriverai pas, pause. J'y arriverai pas, c'est la base même, c'est le pilier de cette expérience de victime. Je ne suis pas à la hauteur, je suis indigne, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, ça veut dire je ne suis pas qui je suis. Et là, on va arriver dans quelque chose, dans la page d'après, c'est ça, qui est juste du grand pilier où il nous dit tu n'échoues jamais. Tu peux pas échouer parce que voilà qui t'es. Regardez comme c'est fort à l'intérieur de nous, ressentez-le, la possibilité d'échouer ou de mal faire. Les petites pensées qui vont nous faire nous remémorer l'idée de ne pas être à la hauteur ou de rater ce qu'on nous demande de faire ou de ne pas être à la hauteur, ça va faire descendre grave les vibrations. Pourquoi ? Pas parce que c'est mal, parce que l'énergie de « c'est pas de ma faute » ou l'énergie de « je ne suis pas à la hauteur », c'est une énergie d'expérience, ni bien ni mal, c'est une énergie d'expérience qui a une fréquence assez basse, qui a la fréquence de la séparation, la fréquence de la victime, la fréquence de « je suis pour rien », la fréquence de « je suis né, je vais mourir ». Tout ça pour cacher, n'est-ce pas ?« Je suis né, je vais mourir » et le monde maintienne caché l'idée que je suis créateur de toute chose, je suis créateur de toute mon expérience. Je ne veux pas de cette responsabilité, je choisis une vibration plus basse pour nier la partie de moi-même la plus belle, la partie de moi-même la plus haute, par un jugement de soi, quoi, qui est idiot en fait. Qui est idiot, et on va voir, parce que tout ce cours et ce message aussi va nous montrer, mais à chaque fois que tu te juges, tu vas faire descendre tes vibrations. Il nous parle vraiment comme à des créateurs. C'est extraordinaire de voir ça.
Donc, quand je me rappelle, quand tu te rappelles des moments où le choix était difficile, tu vas revivifier par ton souffle, tu revivifies cette idée qui va commencer à teinter tout le reste de ton expérience, y compris le message qui vient d'arriver à travers toi ou que tu viens de lire. Vous voyez bien que ce soit un message qu'on reçoit du Saint-Esprit ou un livre qu'on lit ou quelqu'un qu'on rencontre, c'est la même chose. C'est pareil. On verra dans le message d'après qui s'appelle Être le maître que tout est pareil. C'est un filtre très très important, tout est pareil. Tout est pareil parce que tout est extérieur. Je vous rappelle que ce que je suis est la réalité non objective, non manifestée. Ce que je vois, c'est-à-dire ce que je perçois, arrive selon différents degrés, différents niveaux, mais la vérité n'est pas dans les niveaux, la vérité est une. Donc il n'y a pas de niveau dans la vérité. Et c'est le but de tout ça, c'est la vérité. Ou la réalité, comme vous voulez. Donc, en te rappelant les moments où ce choix était difficile, quand tu sembles être victime, c'est ça, victime des choix qui sont faits par le mental. Pendant ces moments-là, il peut te paraître difficile d'orienter ta volonté sur ce que tu veux, et tu peux même avoir l'impression d'échouer dans ton choix de faire l'expérience de ce que tu veux vraiment. C'est toujours ce qui se passe. Quand on fait un yo-yo et qu'on se retrouve dans des vibrations assez basses, on a compris que tout était cause et effet du désir. Les vibrations basses ne sont rien d'autre. Les vibrations basses ne sont rien d'autre que l'effet d'un désir de ne pas se connaître tel qu'on est. Les vibrations hautes ne sont rien d'autre que l'effet du désir de me connaître tel que je suis vraiment. Tout est désir. Le désir est constant. On l'a appelé confiance, on l'a appelé gratitude, hein, on peut l'appeler foi si vous voulez. Il est constant, il bouge pas. Il n'est pas mort, hein. Il est très fort puisqu'il est totalement créateur. Vous mettez une idée dedans, plaf, l'expérience arrive. Donc cette énergie semblait basse. Parce que tu t'es rappelé des moments où ce choix était difficile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire le choix de faire confiance ou le choix de te rappeler ce que tu veux véritablement était difficile. Pourquoi? Ben parce que j'étais dans, parce que j'ai choisi l'autre choix. Comment est-ce que je choisis le choix de ne pas me connaître moi-même en choisissant l'illusion? L'illusion, c'est que je suis victime de quelque chose. Voilà le message. Dès que je suis victime de quoi que ce soit, je fais l'expérience de mon choix de me connaître différemment de ce que je suis. Donc je suis toujours créateur, je suis toujours maître, mais je fais l'expérience de ma maîtrise qui est puissante et qui est puissance et que j'appelle maintenant impuissance. Tout ce bouquin nous donne des clés pour ces moments difficiles, ces moments de vibration basse, d'abord dans l'être conscient, puis après la patience, mais là, la pause, l'acceptation et la confiance. Je rappelle que c'est le pack, c'est ce message-là, pause, acceptation, confiance. Ce sont nos trois meilleurs amis. Pause de l'envie de rajouter quoi que ce soit, acceptation de l'expérience exactement telle qu'elle est, et confiance grandissante, on en a parlé beaucoup la semaine dernière. Pendant ces moments-là, il peut te paraître difficile d'orienter ou de réorienter, si vous voulez, ta volonté sur ce que tu veux, et tu peux même avoir l'impression d'échouer dans ton choix de faire l'expérience de ce que tu veux vraiment. Alors pause. On ne sait pas où on en est. On ne sait pas. On croit que de temps en temps, il y a une expérience très très serrée et contractée qui arrive, qui nous prouverait, n'est-ce pas, qu'on n'a pas fait le bon choix ou ce genre de choses, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne connaît pas les fins fonds de notre propre esprit parce qu'on a décidé de ne pas le connaître par des jugements. On est juste en train de sortir la tête de l'eau, on ne sait pas la vitesse à laquelle on sort la tête de l'eau, on ne sait pas où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui ne nous reste pas comme idée, etc. On ne sait pas tout ça. On peut pressentir que c'est comme ça que ça marche, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui est. C'est pour ça que s'armer de je ne sais pas, de pause, acceptation, confiance, c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, on rend toutes les expériences les mêmes. Tout est idée, tout est expérience, tout est manifestation d'idées dans mon propre esprit, tout arrive sur les ailes de mon désir. Le monde est là et toutes mes expériences de contraction sont là parce que j'ai choisi autre chose que l'expérience de me connaître tel que je suis vraiment.
Le simple fait de faire la pause et de m'en rappeler remonte les vibrations et va me permettre de choisir à des vibrations plus élevées le choix de ma véritable bonne volonté, le choix de mon véritable désir de me connaître tel que j'ai été créé, tel que je suis toujours d'ailleurs. Donc, ce qui nous est toujours demandé, c'est de réorienter notre volonté, pas de changer l'expérience, mais quand je fais pause, je commence à réorienter la volonté. Comme nous sommes dans un message de puissance, on est dans un message d'intensité et de persistance. Si l'intensité et la persistance de ma peur, par exemple, est forte, je ne verrai pas les effets de mon nouveau choix tout de suite. C'est très important à comprendre ce truc. Et ça n'est pas une mauvaise chose. Je ne les verrai pas tout de suite parce que l'intensité, la force de la lumière qui est présente là-dedans est assez forte pour que je ne vois pas encore les effets de mes nouveaux choix, les effets de mes choix présents, mes choix de perception, mes choix d'interprétation de ce qui se passe. Donc ce n'est pas parce que ça ne change pas qu'on échoue. Okay ? Ça, c'est un grand, grand, grand moment. Ça va très, très en profondeur dans la définition de notre expérience et dans notre besoin de preuve, de confirmation ou d'approbation. Approbation, preuve, c'est pareil. Il est important pour cela de voir que peut-être d'élargir sa définition de la preuve. Le monde est toujours la preuve de ce que je choisis. Toujours. Mais nous, dans notre définition du mot preuve, on met du délai. J'ai choisi, ta 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 ta, voilà la preuve. Dans notre volonté de nous rappeler qui nous sommes véritablement, d'être l'être que nous sommes, pause hors du temps et de toute compréhension, diminue de plus en plus le délai. Ce qui veut dire que ce que je choisis est là. Laisse ça rentrer tranquillement, parce que ça va très très loin cette histoire. Le non-besoin de temps. L'idée derrière tout ça, c'est d'être doux avec soi, de s'aimer et de se faire confiance. Tout est bien. Même si je semble ne pas le voir. De temps en temps, l'expérience ne va pas refléter tout de suite le choix que j'ai fait maintenant. Mais plus je plante la graine, plus je fais pause, acceptation et confiance, moins j'ai besoin de preuves. C'est ça que je voulais dire. Moins j'ai besoin de preuves. Moins j'ai besoin de preuves, plus le monde va le refléter. Attention, si je m'entraîne à ne pas avoir besoin de preuves pour que le monde le reflète, hop, je choisis une énergie plus basse. Je rends important le monde et donc moins important le réel que je suis. C'est pour ça que le plus important, tout, même derrière tous nos pouvoirs, nos histoires extrasensorielles, nos scribations et tout le reste, il est important de se rappeler du but à chaque fois. Et le but, c'est de se connaître soi tel qu'on a été créé. Faites la pause là-dessus. Vous faites la pause du désir, vous avez tout compris. Vous vous rappelez du désir et vous faites la pause. J'ai mis une vidéo là-dessus aujourd'hui. Je me rappelle de ce que je veux vraiment et je rajoute rien. Ça, c'est commencer à... C'est une vibration très, 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 très élevée. Parce que c'est commencer à arriver des profondeurs en disant « J'ai pas besoin de monde et j'ai pas besoin de temps et j'ai pas besoin de distance. Je suis ce que je suis, point final. » C'est me servir au mieux de toute mon expérience. J'en suis créateur et je n'en ai pas besoin. Voilà la classe. NTI, INT plutôt. Tiens, voilà, il est bon, il est arrivé cette fois-ci, c'est le bon titre. INT fait la parabole de la table de festin à laquelle nous sommes tous conviés. C'est dans la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Et il dit que la table de festin, c'est le monde, c'est ton expérience. Tu passes de l'enseignant égo à l'enseignant Saint-Esprit, tu vas commencer à avoir un monde qui va te répondre de tous les côtés, et à un certain moment, quand il n'y aura plus du tout d'égo, c'est-à-dire d'idée d'indépendance, le monde sera ton véritable festin. Le monde était une prison, nous disait Jésus dans le cours en miracle, il devient l'endroit où le Fils de Dieu est libre, l'endroit où le Fils de Dieu se réjouit, il devient son festin, sa table. Ok. Et il termine en disant, quand l'expérience de la table et du festin te suffit, tu la laisses aller.
Et là, tu sauras ce que ça voulait dire être un avec moi. Ça veut dire que le monde, le besoin de preuve, le besoin d'expérience, le besoin de manifester des idées, s'en va. Il peut partir tout de suite, ou il peut en général partir par vraiment une remaîtrise de comment ça marche, de qu'est-ce qu'on a fait, et de laisser le truc. Dans la joie et dans l'amour, pas dans la mort, pas dans la peur, pas dans la fuite. C'est ça la différence. Donc, Regina parlait ici de la possibilité d'échouer dans le choix de faire l'expérience de ce qu'elle veut vraiment. Petit paragraphe très important. Sache que tu n'échoues jamais. Cela peut te paraître irréel, hein, une sorte de concept que je te donne uniquement pour te rassurer. Mais ça n'est pas un concept, c'est la vérité absolue. Tu n'échoues jamais. L'échec est impossible pour le Fils de Dieu. Je continue. À chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis d'expérimenter. Il est important que tu le réalises, car en résistant à l'expérience du moment, c'est à toi que tu résistes. Bon, grosso modo, voilà pourquoi je n'échoue jamais. Donc l'idée, c'est d'aller voir à chaque fois qu'il y a un moment de « merde, j'ai raté, j'échoue », quoi. Pour faire la pause là-dessus, accepter l'expérience de l'échec, c'est-à-dire l'expérience de ma croyance en l'échec, les émotions de ma croyance en l'échec, les pensées de ma croyance en l'échec possible ou en l'échec actuel, en l'échec passé, en l'échec présent ou à la projection d'un échec possible. Cette croyance est tout à fait profonde et sponsorisante de beaucoup de nos pensées. La possibilité d'échouer. Eh bien, elle n'est pas vraie. Tout ce qu'on va ressentir, vivre, goûter, voir, entendre, va nous prouver qu'elle est vraie. Mais si vous avez compris l'histoire que le monde est toujours la preuve de ce que j'en vois jusqu'à ce que je n'ai plus besoin de monde parce que je n'ai plus besoin de preuves. Assis calmement dans la pause qui est connaissance de ce qui vient d'être dit, la connaissance, le savoir que je n'échoue jamais ne devient même plus un savoir, devient tout juste l'évidence de ce que je suis, parce que c'est comme ça que je suis, parce que c'est comme ça que ça marche. L'univers n'entend jamais « non ». L'univers entend toujours « oui ». Donc quand je mets le paquet sur la plainte et je dis « non, non, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas », l'univers il entend « ah, il veut ça, il veut ça, il veut ça, super, on va lui donner ». Je fais un peu Disney avec l'univers, des fois il les demande, mais c'est bon, c'est comme ça que ça se passe. L'univers c'est notre esprit. Notre esprit est fait d'idées et de forces. Ces forces sont toujours lumière, c'est toujours positif, c'est toujours oui, c'est toujours le non-échec total, la réussite complète, la maîtrise parfaite, la puissance. La puissance, toujours la puissance, mais elle se fait l'expérience de l'impuissance, ok, elle se fait l'expérience de l'échec, ok. Nous avons cru à une idée de séparation, c'est l'idée de séparation et de retournement sur qui nous sommes. Alors, j'allais dire, c'est pas vrai, j'allais dire, il y a eu un tout petit truc de... dans mon esprit, un tout petit truc de « on en paye les pots cassés » ou les conséquences. Et ça s'est arrêté tout de suite. Ça s'est arrêté tout de suite. C'est pas vrai, on fait l'expérience de nos idées. Cette idée est fausse. Parce que derrière ce que j'ai dit, je sentais un petit coup de jugement. Ils sont encore là, les jugements. Et chez Laurent, comme chez vous d'ailleurs, pas de piédestal là-dedans. Je suis sur le même chemin que vous. J'observe la lumière du non-vrai. Mais mon choix est toujours là. J'ai choisi tout ce qui se passe. Quand j'entends un jugement, quand j'entends une peur, quand j'entends une projection, un manque, ou autre, il n'y a rien de vrai là-dedans, sauf dans son essence et sa substance. Son essence et sa substance, c'est la lumière de mon choix. Après, on peut parler d'intensité, de couleur et de qualité. Mais regardez comme on descend des histoires à des notions d'intensité, des notions de qualité, des notions d'archétype. C'est génial de voir ça comme ça. Ça rend les choses plus simples, plus lentes. Quand c'est lent, on n'a pas le temps de juger.
Quand c'est silencieux, quand c'est dans la pause, on n'a pas besoin de rajouter. On n'a pas besoin de créer du temps. On n'a pas besoin d'aller dans le passé pour se juger, etc. Et de projeter. Quel voyage on fait ensemble, c'est vraiment extra. Ça prend toute notre expérience. Et regardez, moi je vois que ça descend à chaque fois, c'est de plus en plus lent, de plus en plus large. De moins en moins besoin d'en rajouter, parce que le silence, il est déjà joyeux. Dès qu'on croit à l'idée j'échoue, les vibrations descendent. Pourquoi? Parce que c'est faux. C'est ni bien, ni mal, ni machin, ni bidule, c'est juste vrai ou faux. Ce qui reflète le faux a une certaine couleur, une certaine qualité, ce qui reflète le vrai a une autre certaine qualité. Ce qui reflète le vrai se rapproche plus, bien évidemment, des non-qualités et de toutes les qualités, vraiment spacieuses, amoureuses, connaissances divines de l'être que nous sommes, de tel que nous sommes aujourd'hui, tel que nous avons été créés, de toute éternité. Et les autres vibrations vont nous donner l'expérience que nous avions décidée, que nous avions désirée, que nous avions dessinée. Nous sommes ensemble pour changer notre regard sur nos propres desseins. Quand on sait que c'est des desseins, c'est cool, je ne suis pas un dessein. J'en suis le dessinateur, soit, mais je ne suis pas le dessin. Donc me juger ne sert à rien, mais c'est pas intelligent, quoi. À chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis. Bon, alors, sache que tu n'échoues jamais. Juste ça, on peut fermer le bouquin. Et ça, c'est la fin du monde. On n'a plus besoin de monde. Si je n'échoue jamais est aussi clair que l'air que je respire, que le fait de respirer sans même y penser, donc dans la pause, bah, le monde n'a plus de raison d'être. J'ai plus rien à cacher. Je me sens dans une communion tout à fait particulière avec chacun d'entre nous. Dans un mélange. C'est très, très bizarre à décrire. C'est à la fois une communion très particulière dès que je me penche sur un nom, par exemple, et à la fois cette communion est non spécifique. Ça me fait penser à. C'est qu'un texte sur la Kabbale décrit par la fusion essentielle sans confusion. À chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis d'expérimenter. Il est important que tu le réalises, car en résistant à l'expérience du moment, c'est à toi que tu résistes. La résistance, comme je te l'ai dit, c'est la peur. On avait déjà parlé, mais c'est toujours important de redéfinir le truc. Résistance ou peur, c'est quoi? C'est la résistance à quoi? C'est la résistance à arrêter de croire que ce qui est faux Croire que ce qui n'est pas vrai est vrai engendre de la peur. Pas parce que c'est mal, parce que ça n'est pas naturel. Nous sommes naturels.
assis dans notre naturel, notre regard devient absolument naturel. Le regard quantique, si vous voulez, étant naturel, le monde devient naturel, lui aussi, même dans sa forme. Il devient naturel. Ce que j'ai annoncé au début, c'est vrai en plus. Le silence en sait beaucoup plus que les mots. Hein. C'est comme si j'ai. Je sais pas, pour certains, peut-être vous captez, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais il y a des couches de connaissances qui sont là, qui sont pleines dans mon silence, qui vont répondre à différents niveaux de questions. Je ne sais même pas si les uns les. Je ne sais pas comment c'est absolument mystérieux, quoi. On ne peut pas comprendre, et pourtant, on continue à vouloir comprendre, et c'est bon de vouloir comprendre à ce niveau-là. La connaissance sait qu'il y a une connaissance plus profonde. Je ne parle pas d'une connaissance d'un ego, d'un mental qui veut s'accaparer le truc. Et s'il est là, on le regarde. À chaque moment, tu fais l'expérience de ce que tu choisis d'expérimenter. Il est important que tu le réalises, car en résistant à l'expérience du moment, c'est à toi que tu résistes. La résistance, comme je te l'ai dit, c'est la peur. C'est aussi la haine. Alors, même en résistant ou en jugeant ton émotion de haine, ce que tu choisis en vérité, c'est d'orienter ta volonté sur une expérience. De désirer pour une expérience, comme on l'avait vu. Tu fais donc l'expérience de ce que tu as voulu. Le truc pour changer une expérience que tu n'aimes pas ou que tu n'apprécies pas en une autre expérience que tu préférerais, c'est d'accepter totalement l'expérience du moment. Une ode à l'acceptation. Mais à la différence d'un pointeur plus de surface, cette acceptation est une acceptation intelligente de créateur. Pourquoi j'accepte ? Parce que c'est moi. Parce que c'est ma décision. Parce que ce que je fais comme expérience, c'est l'expérience de mon esprit, c'est l'expérience de mes idées. Je comprends que l'expérience difficile, en intensité, n'est pas si difficile puisqu'elle est juste une forte intensité de lumière. La lumière qui passe à travers le filtre du non-vrai, soit, mais je vais l'accepter totalement. Parce que je fais tout simplement le choix de m'aimer. C'est pas le choix de pépé, c'est le choix de m'aimer. Je fais le choix de m'aimer. Et donc, ah oui, alors, il y a un point très important aussi qui est le point, vous avez remarqué que avec nos définitions qui changent, nous tombons de plus en plus du détail vers le non spécifique. C'est pour ça que l'expérience de l'un est l'expérience de l'autre, les questions des uns sont les questions des autres. Pourquoi ? Parce qu'on passe de tout est différent à tout est pareil. Tout simplement. Et à tous les niveaux de mon expérience, ça va se juste. Alors ça, c'est intense comme extase. C'est là où l'univers se tord et on commence à voir, comme on le voit sur le groupe, bon ben non, c'est second nature, hein, c'est de la deuxième nature maintenant de voir les changements de perception des uns et des autres et les petits miracles et les synchronicités et tout le reste. C'est-à-dire le tissu d'un univers qui n'est vraiment pas solide du tout et qui se tord à la moindre de nos pensées. Derrière cette pensée, c'est pas la pensée qui fait tordre, c'est le désir qui fait tordre. C'est le désir qui est créateur en fait. Hein, le désir qui a le juice. Le juice, l'alimentation, c'est le désir. Et notre idée, c'est d'aligner notre motivation, notre but, notre croyance et notre désir. Quand tout ça, c'est un, c'est-à-dire quand tout ça, c'est aligné, c'est la même chose, quand je veux la même chose que ce que je crois, que ce que je pense et que ce que je demande, boum. Boum, c'est-à-dire c'est large. À la fois, moi, bon, ben, je ne suis plus du tout affecté par ce qui se passe, mais mon expérience va vraiment être mon festival, quoi. Mais même si mon expérience coince, elle est mon festival. Donc la graine d'aujourd'hui, c'est que mon expérience qui coince, mon expérience de haine, c'est mon festival. C'est mon festival, puisque mon festival est toujours le cadeau que je me suis fait. La peur, c'est l'expérience que tu as désirée. La haine, alors c'est ça que je voulais vous dire. C'est que tout ce qui semble ne pas être de la peur ou de la résistance, comme l'anxiété, le sentiment de solitude, l'angoisse, la haine, l'attaque, la défense... et tous les différents degrés de peur que vous pouvez imaginer, s'appellent tous et toutes, toutes ces émotions, toutes ces idées s'appellent peur. Et toute peur s'appelle résistance. Et toute résistance s'appelle résistance au vrai désir de mon cœur.
Quand on la voit en face, elle s'en va. Pourquoi? Mais parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on veut ce qu'on veut. Donc, on continue encore à choisir le passé, à choisir quand on a voulu faire l'expérience d'autre chose. C'est-à-dire, on continue à choisir le désir d'être autre chose que ce qu'on est. Ok, mais en se tenant la main, et tout ce que ça veut dire, tout ce qu'on sait maintenant, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on transpire ensemble, on peut juste regarder l'expérience de la résistance, en apprécier, en récupérer l'intensité, si vous voulez. En apprécier l'intensité, c'est s'aimer, c'est reprendre paternité plutôt que de fuir sa paternité. Et laisser passer. Quand je laisse passer une idée, je laisse passer sa source, je laisse passer mon ancien désir, je reconnais que ça n'est pas ce que je veux. Il suffit juste de faire ça. Mais quand on est assez en profondeur, on regarde comme ça, ça se retourne facilement. Je ne parle pas de ne pas... de rejeter l'expérience. Non, de rejeter le désir. Même si le mot rejet, il faudra le redéfinir, c'est pas le rejet. J'accepte, mais j'y crois pas, tout simplement. Eh bien, c'est justement l'inverse. Comment est-ce que je fais ça? Même dans mon expérience de surface, je me rappelle que mon regard est idée et que l'idée d'acceptation est l'idée la plus puissante qui soit. Comme j'ai dit la semaine dernière, l'acceptation est une sorte d'idée qu'on choisit et qui est en conflit avec le jugement, par exemple, comme la confiance avec le doute. Mais quand on goûte un tout petit peu à la vibration de ce qui est partagé de plus en plus, c'est-à-dire de ce que nous sommes, on s'aperçoit que nous sommes acceptation, comme nous sommes confiance, comme nous sommes la pause. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes. Nous sommes pause. Nous sommes acceptation totale. C'est très facile à voir. Je suis la totalité qui pourrait être comparée à l'espace ici. Alors moi, je peux bouger mon livre comme ça, machin, mais... Et c'est pas essayer de ne pas accepter ce que je suis en train de faire. C'est pas possible. Vous l'avez déjà accepté. Donc le refuser est une imagination, c'est une idée fausse. Le jugement est une idée fausse. Elle imagine que quelque chose ne devrait pas être comme c'est, mais c'est déjà passé. C'est faux. En résistant ou en jugeant ton émotion de haine, ce que tu choisis en vérité, c'est d'orienter ta volonté sur une expérience. Alors, comment est-ce qu'on crée? Une fois de plus, dès que je crois à quelque chose, je demande la perception de cette chose. Ok? Croire, c'est demander une perception. Et demander une perception, c'est toujours désirer pour cette idée. C'est la même idée, c'est une redéfinition de l'acte de croire qui est l'acte de demander, de créer ou de désirer une perception. C'est un acte. Et je suis pur acte, puisque je suis pur esprit. Je dors pas, quoi. Ok. Donc, ce que tu choisis en vérité, quand tu résistes ou juges, résister une expérience, c'est-à-dire j'en veux pas, je suis en train d'émettre un jugement. Et je suis en train de dire que cette expérience ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas être là. Je suis juste en train de dire des conneries. Pourquoi? Parce que c'est là. C'est là, c'est déjà passé, c'est là. Ton être l'a déjà accepté, mon bouquin qui va à droite et à gauche. L'expérience d'énervement du bouquin qui va à droite et à gauche, elle a tout intérêt à être acceptée aussi, puisqu'elle est là. Vous êtes déjà l'espace qui a tout accueilli. On ne parle pas des personnes qui accueillent, mais on parle à l'espace qui se prend encore pour des personnes et qui joue au jugement. Plutôt que de jouer au jugement qui va le faire se définir comme une petite personne victime de tout ce qui se passe, on va lui faire jouer à la confiance, on va lui faire jouer à l'acceptation, on va lui faire jouer à la pause. Pas pour qu'il ait une meilleure expérience, même si ça sera l'effet secondaire et organique de son changement de choix, pour juste réaliser ce qu'il est. Donc joue avec ces filtres-là, joue avec ces graines-là, réalise ce qu'il est. Tous les filtres que je te donne sont des retournements de perception de ce que tu n'es pas à ce que tu es. Les gouvernements, les ministères. Choisis l'idée de doute et tu feras l'expérience d'être séparé. Choisis l'idée de confiance, d'acceptation ou de pause et tu réaliseras que c'est de toi dont il est question et que je suis toi, ton enseignant, je suis toi. C'est génial. Le truc pour changer une expérience que tu n'aimes pas, en une expérience où tu n'apprécies pas, en une autre expérience que tu préférerais, il ne nie pas. Hein? Ça, c'est des petites positions que je vois en moi, des positions spirituelles qui font mal. Je ne m'autorise pas de préférer quelque chose, de ne pas aimer ceci, cela. Ben, c'est naze.
Parce que c'est pas vrai, c'est encore des positions, c'est encore l'ego qui essaie de faire ça. Hein? Le truc pour changer une expérience que tu n'aimes pas en une expérience que tu préférerais, c'est d'accepter totalement l'expérience du moment. C'est-à-dire, c'est de déclarer qui t'es. Le soi, ce que je suis, est toujours la solution. Toujours. Dans toutes les situations, qui je suis, la déclaration de qui je suis et la reconnaissance de qui je suis, et même quand je dis reconnaissance, c'est comme si quelqu'un devait reconnaître quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un pour reconnaître quoi que ce soit. Mais qui je suis sera toujours la solution à chacun de mes problèmes apparemment différents. Ils étaient tous le même. Et l'idée que je suis, que je me suis oublié, que j'ai mal fait, que je suis qui je ne suis pas. Le Saint-Esprit est la solution à toutes les situations. Parce que toutes les situations sont la même chose, et le Saint-Esprit, c'est toujours le désir de me connaître tel que je suis. Je suis qui je suis maintenant. Vous voyez que le Saint-Esprit, toute la clarté, tous les messages que vous recevez ne sont rien d'autre que votre désir mis en forme. Le Saint-Esprit est encore une forme. C'est très très utile, certes, mais c'est encore une forme. Le Saint-Esprit, dans sa qualité de... dans l'extension des filtres qui nous sont donnés. Si ton expérience est la haine, regarde-la. Si c'est le doute ou la peur, observe-le. Si tu projettes sur d'autres, ou bien si tu t'attaques toi-même, arrête-toi et regarde. Arrête. Juste le temps dans l'instant. Observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée. Arrête-toi et regarde. Pause. Arrête. Et regarde. Bon, dans notre compréhension, arrête et regarde sont la même chose. La conscience est arrêtée. La pure conscience qui entend mes paroles maintenant est arrêtée, l'écoute, elle ne bouge pas. Là, il y a une phrase qui arrive que je cite souvent en atelier. Tellement elle est simple et tellement elle sauve la vie. Elle sauve la vie par sa simplicité et son accueil. Donc une fois de plus, si ton expérience est le doute ou la peur, observe-le. Si tu projettes sur d'autres ou bien si tu t'attaques toi-même, arrête-toi et regarde. Arrête juste le temps d'un instant. Observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée. Telle que tu l'as désirée. Qui c'est qui va se rappeler de façon normale plutôt que naturelle? Parce que naturellement, c'est ce qui se passe. Nous sommes naturellement qui nous sommes et nous savons exactement ce qui se passe. Nous savons exactement que nous avons tout créé. Nous le savons exactement. C'est pour ça que je ne vous amène rien du tout. Nous savons exactement, puisque naturellement, nous sommes qui nous sommes. Ok. Ceci étant, quand je fais l'expérience de la haine, de la peur ou du doute, il est fort probable que j'oublie que j'ai désiré cette expérience, n'est-ce pas? Il est fort probable que devant la haine, je me sente victime. Mais de plus en plus, je peux juste faire face à de la lumière, à de l'intensité, à une idée, à ma progéniture. Et organiquement, automatiquement, je vais l'accepter. C'est ce que je disais tout à l'heure, je vais l'accepter parce que je l'ai désirée, j'ai désiré qu'elle soit exactement telle qu'elle est. Je disais tout à l'heure que nous ne créons pas dans les détails, c'est pas vrai. Mais avant de savoir exactement comment précipiter un détail plutôt qu'un autre, et je dis bien précipiter du non-temps dans le temps un détail plutôt qu'un autre, bon, bah, c'est ce que je nous souhaite le plus rapidement possible en fait. Ça serait sympa. J'envoie la graine. Alors, observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée, c'est très très important, et dis, voilà comment je me sens, voilà les pensées que je vois dans mon esprit maintenant, j'accepte ceci exactement tel que c'est, sans vouloir le prolonger plus longtemps que nécessaire. Je relis parce que
C'est tout bête, ça peut se résumer en... Parce que ça parle en général d'émotions et de pensées. Et c'est tout simplement... Voilà comment je me sens, les émotions. C'est peut-être l'heure d'arrêter. Et voilà les pensées que je vois dans mon esprit maintenant. Voilà les pensées que je vois. Voilà comment je me sens. Voilà. Ça, c'est la déclaration de l'acceptation. Si je fais ça pour ne pas le vivre, je ne suis pas dans l'acceptation. Et mon voilà va devenir un voilà odorant, quoi. Hein? On va le voir arriver, mais... Ça va pas être un bon voilà, quoi. Ça va être un voilà qui aura mangé des croûtes de fromage ce matin. Ça va pas être le voilà de l'acceptation totale de ce que je suis. N'est-ce pas? Mais quand je sais que ça vient de moi, il m'est beaucoup plus facile de faire un voilà qui ne sent rien du tout. Un voilà normal, quoi. C'est bien, ça part en cacahuète à la fin, c'est cool. Donc, observe directement ton expérience telle que tu l'as désirée et dis voilà comment je me sens. Voilà les pensées que je vois dans mon esprit maintenant. J'accepte ceci exactement tel que c'est. Alors tous ces mots-là, c'est juste rien d'autre que les mots que j'utilise. C'est-à-dire, ils vont plus servir à grand-chose quand on voit que ces mots ne sont rien d'autre que des descriptions de ce qui est là. Mon regard est déjà tout acceptant. Mon regard sait déjà que j'ai désiré l'expérience exactement telle qu'elle est. Et les mots qui vont en provenir, s'ils doivent en provenir, mais ils sont vraiment pas nécessaires. On n'est pas en relation dans les mots, mes amis. On n'est pas en relation dans le monde. On n'est pas en relation dans le monde de la forme. C'est pas là que ça se passe. On s'aime pas dans la forme. La forme est neutre, elle ne peut pas aimer. Les corps ne peuvent pas aimer, ne peuvent pas se transformer. C'est pas là que ça se passe. Nous sommes en train de parler d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de conscience à conscience. C'est pour ça qu'on est un. C'est pour ça qu'on est tranquille, c'est pour ça que tout est bien. Tous ces mots ne sont rien d'autre que des descriptions naturelles du regard organique que nous retrouvons. Nous retrouvons ce que nous sommes vraiment, qui est être et regard. Et être et regard est amour et connaissance de soi, puisqu'il n'y a que lui. C'est les facettes du diamant qui ne voient que du diamant. C'est important de voir que tout ça, c'est juste, c'est pas un enseignement, c'est de la description organique de ce qui est déjà là. De ce qui est, même si c'est enfoui, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a de la description de cet acte d'enfouir. D'enfouir, c'est-à-dire de fuir dans l'expérience et d'enfouir les choses, d'enfouir la connaissance. Et plus je suis conscient, plus la connaissance se révèle, et la connaissance se révèle en quelque chose de tellement naturel, parce que je sais déjà tout ce que je sais, parce que je suis déjà tout ce que je suis. Je repense aux croûtes de fromage. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on continuera avec la durée et l'intensité de mon choix d'acceptation la semaine prochaine. Ok? Mais c'est très très bon de rester sur cette phrase, parce que j'adore cette phrase, et pour l'avoir utilisée très souvent, pour l'oublier encore et la réutiliser très souvent, mais elle me sauve la vie, elle est toute bête. Voilà comment je me sens, voilà les pensées que j'entends. Pause. Quand je dis ça, il y a déjà la pause, il y a déjà l'acceptation, et il y a déjà la confiance que ce ne sont que des pensées que j'entends et que des émotions que je sens. Vous comprenez que pause, acceptation et confiance, c'est vraiment notre héritage naturel. On a pris le mot pour la chose. Nous sommes la chose, nous sommes l'expérience directe, nous sommes l'indescriptible. S'il devrait se décrire, s'il devait se décrire, il serait naturellement en pause, en acceptation et en confiance, en amour, en joie, et puis après on poserait ça, puis en amour et en joie, mais c'est toujours là, c'est tout, nous sommes tous les archétypes réunis, si vous voulez. Le fait de s'en rappeler fait que nous montons totalement nos vibrations, on n'aura plus besoin de tout ça, quoi. Là, mais c'est là que ça partage grave. C'est là que je suis en train de vous dire que je vous aime très profondément et ça n'est pas du tout... Laurent est un petit peu déstabilisé par cet amour qui n'est pas du tout romantique. Si vous voulez, il n'y a rien qui est rajouté dessus. C'est juste... On n'est pas habitué à ça.
On n'est pas habitué à ce que nous sommes. Normal, on s'est donné de l'expérience d'être autre chose que ce que nous sommes et de l'oublier. On s'en rappelle ensemble. Je vous embrasse très très fort sur YouTube et je vous dis à la semaine prochaine.